cette commune Châteaubriand-Derval a mis en place une maison de service au public en 2018 suite à la fermeture de la trésorerie à Derval. Labellisé Espace France Service en janvier 2020, ce lieu unique accueille les habitants éloignés des opérateurs publics et son périmètre d'action dépasse largement les limites géographiques du territoire communautaire. Les champs d'intervention sont larges, emploi, retraite, santé, social, logement, accès aux droits, famille, énergie ou encore mobilité. Les deux agents d'accueil accompagnent, aident et orientent gratuitement et en toute confidentialité les usagers dans leurs différentes démarches administratives de la vie quotidienne. Notre rôle, on oriente, on aide les gens, on les accompagne surtout dans toutes leurs démarches administratives, que ça soit sur les 9 opérateurs, ça peut être sur les partenaires. De toute façon, le but, c'est que chaque personne qui rentre ici reparte avec une solution. Sur tout ce qui est dossier un petit peu complexe, on a la possibilité de mettre en relation, que ça soit avec la CARSAT, que ça soit avec la CPAM, que ça soit avec la CAF, etc. Je suis venu prendre ce service pour m'aider pour faire mes papiers de retraite, parce que c'était un peu compliqué pour moi. J'ai 4 rendez-vous en tout. Nous accompagnons les gens sur leur espace numérique au sein du cyber et surtout nous les initions à créer leur espace de façon à ce qu'ils deviennent autonomes. L'espace France Service offre des services spécifiques et adaptés à la population en accueillant diverses permanences organisées par les partenaires. Et on vient faire les permanences ici depuis mi-2019 à peu près. Les infirmiers viennent ici 2 fois chacun par semaine et on a les médecins qui viennent en moyenne une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines en fonction de la charge de travail qu'il peut y avoir. L'espace France Service à Derval est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.